Bonjour, on est ici dans l'Oise, au sud de Beauvais, où la moisson bat son plein. Je vous propose de retrouver Frédéric Bénard, qui est en pleine moisson dans ses champs de blé. Et je vous invite tout au long de ce reportage à tourner autour de la caméra, puisque je vous propose des images à 360 degrés que vous n'aurez jamais vues ailleurs. Suivez-moi. On est dans une belle parcelle de blé là, tu en es où de ta moisson? Ouais, bah là nous on en est à peu près à la moitié, donc pour l'instant tout se passe bien, on a été un peu épargné par les orages, donc on arrive à avancer comme il faut. Combien d'hectares tu as en blé? Bah là cette année à faucher j'ai 130 hectares à faire en blé. Et là t'en as quoi, une cinquantaine de fait? Ouais à peu près. J'ai vu que dans l'Oise, la prévision de rendement était de 84 quintaux. Sur ton exploitation, ce sont à peu près les mêmes chiffres? Oui, bah, ça colle parce que pour l'instant, dans ce qu'on a fait, on est entre 83 et 85 quintaux. Donc c'est pour cette année, c'est pas mal. Plutôt dans la moyenne sur ton exploitation? Oui, bah, même un poil au-dessus. Pour l'instant, nous, on est plutôt dans les 80 quintaux d'habitude. Et bah, là, on arrive à avoir des parcelles à un bon 85. Donc, c'est une bonne année. Ça va effacer le souvenir de l'année 2016. Sur ton exploitation, ça s'est mal passé, j'imagine? Oui, bah ça va être difficile d'effacer le souvenir, hein, parce que l'année dernière, on a quand même fait moins de 60 quintaux de l'hectare. Donc, une année difficile à passer. Donc, maintenant, il faut espérer qu'on ait quelques bonnes années derrière. Il va falloir des bons prix aussi pour la prochaine campagne? Oui, des bons prix et ouais, une bonne qualité aussi. Là, on va voir ce que ça va donner. Et on est tous impatients d'avoir tous les résultats de fin de saison. Globalement, il n'y a pas eu d'incident. T'as pas eu d'incident climatique qui aurait pu altérer la qualité sur tes parcelles? Non, on a quand même eu un coup de chaud au mois de juin. Donc, on a vu quelques ronds de blé qui a décroché dans les parcelles de terre à cailloux, mais sinon dans l'ensemble tout était déjà bien avancé, donc on a évité le pire. Frédéric, merci et puis bonne moisson. Merci. Voilà, on se quitte sur ces images. Retrouvez toutes les informations sur la moisson sur ternet.fr avec le tag moisson 2017.